Aujourd'hui, j'ai décidé de rajouter un mode magie sur Craftcraft. Alors donc pas du tout, c'est pas moi qui tiens le cerf, donc bon. Je vais donc devenir une sorcière de la mort qui tue. Mais d'abord, renseignons-nous sur le mode Mana and Artifice. J'ai trouvé pas mal de vidéos sur YouTube le concernant, et je vais donc un petit peu étudier le sujet. Bon, bah ça s'annonce sympa parce qu'il y en a des trucs, vraiment beaucoup. Mais ce que je vous propose pour le moment, c'est d'aller explorer et de trouver les nouvelles plantes du mode. Elles sont au nombre de 5, et elles me permettent de faire des... truc. Ouais bon, j'ai pas tout regardé pour le moment, ok? Mais d'abord, rendons-nous au centre du village, je pense qu'il y a un petit truc intéressant qui m'attend là-bas. Ok, ce tonneau me semble très suspect. Débute ton aventure magique. Je crois que c'est de ça qu'on parle, oui. Ils m'ont mis des bonbons, ok, merci. Bon bah, allons-y. Alors, on se retrouve ici, c'est super. Vous vous demandez certainement du coup, qu'est-ce que je fous ici? Bah je pense que ce qu'on doit trouver est dans l'arbre. L'arbre, vous savez, qui n'a servi à rien depuis le début. Je suis pas sûre, donc si j'ai fait tout ça pour rien, je pleure. Oh, non, non. Oh my god. Un réflexe vraiment impressionnant pour le coup. Ah non, ça veut dire faut que je remonte. Oh. Ok, après 115 ans de recherche et la nuit, j'ai trouvé ce qui nous intéresse. Ouh. Majo Hat, Majo Broom, Majo Close. Oh my god. Pourquoi je suis ouh? Ok, bah je vais garder ça toute la vidéo. Ok, maintenant essayons le balai. Ok, il marche pas comme ça. Oh, mais non. Attendez, par contre, je sais pas voler, c'est très dangereux. Oh my god, mais c'est tellement stylé chez moi par contre. Ok, par contre, comment on descend? Oh, non! Oh my god! 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 J'avais prévenu hein, que je savais pas voler. Bon, je sais pas comment on descend du coup. On va pas voler très haut. Hein. Oh, il y a mon balai. Viens. Comment je le récupère? Viens, balai! Oh! Ok, d'accord, fallait le frapper. Bon, du coup, on en était où? Allez chercher les fleurs du mode. Du coup, maintenant, c'est parfait. J'ai un balai pour explorer, donc on va pouvoir aller très loin. Oh, fleur en vue, c'est une nouvelle fleur ça. Oh, il y en a plein. Ok, c'est l'heure du... Oh my god, c'est ridicule. Ok, c'est l'heure du moment délicat, c'est-à-dire descendre. J'ai beaucoup de mal. Ok, let's go. Maintenant, tu reviens. Et reviens, Oh my god, c'est bon, j'ai trouvé les premières fleurs. On va en prendre plein du coup, je sais pas si on peut les faire pousser. Non mais il y a tellement de fleurs par contre. Mais c'est abusé, il y en a partout. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? Là, on part vraiment en totale aventure, exploration, je sais pas ce que je fous. Attendez, il y a une maison là aussi. Attends, c'est trop de trucs là. Et puis, il y a des nouveaux minerais. What the fuck? Bonsoir, madame. Ouh, tu fais peur. Ok, c'est un peu bugué, mais je pense que ça a un rapport avec mon planeur. Donc, pas ce qu'on cherche, mais je m'en fous, je vais la récupérer. C'est très sympa dans le salon, ça. Maintenant, autour de la maison. Et coucou, bonsoir. Ah, mais on te connaît déjà, toi. Bon, je vais quand même te piller pour la forme. Bon, bah, j'ai trouvé 6 de pain. Super. Donc pour le moment on vient de se faire duper, maintenant autour du minerai. Ah oui, j'ai un progrès. Qui es-tu toi? Vétume or. Ok, je viens de regarder, c'est très important, il nous le fallait. Ah, attendez, mais il y en a plein en fait. Je prends le fer aussi, MDR. Ça fait partie du mode magie, hein, t'inquiète, c'est pas que j'en ai pas chez moi. Ça pareil, la magie, lol. Ouloulou. Ouloulou. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, mais il y a trop de trucs ici. Bonsoir. Oh, ça a l'air magnifique. Oh, c'est tout coloré. Bonsoir. Qu'est-ce que ça fait, ça? Pensez, je peux le récupérer ou pas? Parce que je peux rien faire, là, donc... Bon, on ramène dans le salon, hein, logique. Ouais, allez. Oh! Merde, j'aurais pas dû faire ça. Allez, on va noter les codes, du coup. Super. Bon, ça, ça a servi à rien, mais regardez ce que j'ai trouvé. Des fleurs! Je vous rappelle qu'il y en a 5, on en a déjà 3, donc c'est vraiment bien. Oh, regardez, il y a la lave qui coule, ça veut dire que personne n'est jamais passé ici. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Ça veut dire que je vais trouver que des trucs qui n'ont pas été fouillés. Par contre, l'eau profonde, là, j'aime pas trop, donc on va partir. Ah, je suis tellement pas à l'aise. Ok, ouh. Oh, citrouille, village proche. Je vous jure, ça marche à chaque fois. Mais d'abord, dodo dans citrouille. Où es-tu, petit village? Ah, il est là. Oh, non! Oh putain, faut que j'arrête de faire ça. Mais attendez, c'est pas du tout un village, ça. Il y a un mec chelou, là-bas. En vrai, je crois que c'est précisément ce que je cherchais. Après les fleurs, je comptais vous le dire. Si je suis au bon endroit, normalement, ici, je devrais trouver un livre. Allez, on amorce une descente douce. Bonsoir. Ah, c'est ouvert. Ah, c'est inondé, surtout, là. Oh, un coffre. Oh my god. Mais attendez, c'est des bâtons magiques, ça. Il y a de la dust, du minerai qu'on a trouvé avant, et du papier. Ok, ouf, panique pas. Oh, il y a le livre. Let's go. Ok, j'ai été giga chanceuse. Enfin, je crois. En tout cas, j'adore la maison, même si elle est inondée. C'est un peu dommage, pour le coup. Oh, j'ai même trouvé un CD. Tellement hâte qu'on rentre pour l'écouter. Genre, vraiment, là, c'est mon unique but. Oh my god, je suis full. J'ai envie de pleurer. C'est pas grave, parce que j'ai eu ce que je voulais. Le livre. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Vous voyez, en haut à gauche, il y a une petite barre qui est apparue et c'est ma barre de mana, donc d'énergie magique. Je suis très puissante, ok? Et là, on a tout ce qu'on peut faire dans le mode, c'est abusé. Il y a beaucoup trop de choses. Bon, bah on aura trouvé pas mal de trucs. Il est temps pour nous de rentrer à la maison, apprendre des sorts. Et puis, ce sera bah, déjà pas mal.
my god, la maison, enfin. Je vous avoue que le transport en balai, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Ok, pas bouger. Ah, c'est bien, c'est un bon balai, ça. Hop, ça on a dit en déco, magnifique. Mais maintenant, testons ma baguette magique. Oui, j'en ai déjà une. Oh, encore. Oh, ok, celle-là. Ah, elles font toutes la même chose. Désolée, mais il faut que j'essaye sur un poulet, forcément. Mais ça marche pas sur eux. Bon, tant pis, on va tester un truc qui marche à coup sûr, le CD. Oh là là, j'espère tellement que ça va être un truc mystique. Ok. Ah non, mais c'est tout sauf mystique, ça. Pardon? Mais pourquoi c'est de la techno des années 2000? 1 hour later. Je... Allez, sans commentaire. Ok, top. Une expérience à part entière, le bordel. Bon, sinon, on a bien exploré. Depuis tout à l'heure, je fais un petit peu n'importe quoi, voilà, comme d'habitude. Mais j'ai quand même un petit peu étudié le mode et je sais ce qu'il nous reste à faire, en fait. J'ai pas dégagé ma tour de bouse. Je vous prie de m'excuser. Du coup, je disais, je sais à peu près, hein, vraiment, comment fonctionne le mode. Et il fonctionne avec des niveaux. Plus j'ai de niveaux de magie, plus je peux faire de sorts et plus je suis puissante. En très très gros, je crois que c'est ça. Mais pour pouvoir augmenter de niveau, il faut que je fasse des défis. Et les défis se trouvent dans une table qui s'appelle l'Oculus. Mais après avoir regardé le craft de l'Oculus, je me suis vite rendu compte que j'avais pas du tout les items correspondants, en fait. Donc je me suis un petit peu renseignée, et en fait, pour faire tout ça, il me faut des villageois. Mais pas les villageois de base, là, pas les débiles, non, pas eux. Il me faut ceux bah, du mode de magie. Et comme pour les villageois de base, pour les avoir, il leur faut des tables de métier spécifiques. Et c'est ce qu'on va se charger de faire maintenant, du coup. Je possède déjà chez moi quelques villageois. Enfin, quelques. Il y en a quand même pas mal, vu qu'il doit y en avoir une dizaine. Mais sur Craftcraft, malheureusement, les villageois ne peuvent pas se reproduire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour avoir des villageois, il faut se rendre au centre du village et en acheter avec un œuf. Ouais, j'ai échangé de moyens de locomotion. Moi, avec celui-là, je tombe pas déjà. Et c'est juste ici que ça se passe. Vous voyez, 10 Ninjax Coin, un villageois. Malheureusement, actuellement, je suis très très pauvre, j'ai plus de sous. En fait, j'ai tout utilisé pour acheter ce truc là. Puis on avait pas les balais avant, d'accord? Avant, c'était dur. Bref, du coup, je vais m'occuper d'aller farm des diamants, acheter les villageois, faire leur table. Et ensuite, après tout ça, je reviens vous voir. Et on devient genre giga stylé. Ça n'a pas aussi bien fonctionné que prévu, vu que j'ai que un villageois spécial, sur 3 quoi. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ce que j'avais prévu de base. Donc j'ai réussi à lui faire sa table métier. Il me vend du coup le livre qu'on a eu et une potion. Mais pour faire le reste, il faut que je reparte en exploration et c'est assez loin. Et du coup, très très long. Donc je pense qu'on fera ça dans bah, le prochain épisode. On pourra donc commencer les premiers sorts, les premiers enchantements et du coup augmenter de niveau. Donc voilà, on se retrouve pour ça la semaine prochaine. Ciao.